Bébé. It's Cal Bear. Alors, la musique pour moi a débuté toute petite. Je crois déjà à 5 ans, j'y allais au congrès, on appelait ça JUPT, à Galim, plus précisément à Tata, dont les grandes sœurs dansaient d'habitude, et puis elles nous amenaient, ma grande sœur et moi. On apprenait aussi à danser, mais derrière, au fur et à mesure, elle constatait que moi, je prenais vite les pas. Et puis, on a dit, OK, pourquoi est-ce que tu viens pas devant danser? Donc, je venais souvent devant, je dansais de temps en temps et tout. Au fur et à mesure, je m'adaptais, je grandissais, je m'adaptais aussi. Déjà, au CE1, on faisait des ballets. On faisait des théâtres, on faisait des poèmes, des petites poèmes là, pour la soirée culturelle. Et voilà. Après ça, je suis allée à Tibati, où j'ai continué mes études. J'avais plus la possibilité de le faire parce que là-bas, c'était un peu plus école-école. J'étais chez mon grand frère. Voilà. Et après, quand je reviens à Douala, à l'université, j'ai donc la chance de rencontrer Boma Hélicoptère. Donc pendant le tournage, je rencontre deux amis qui chantaient. Et puis Jimmy et Elvis, voilà. Ils m'ont donc dit, voilà, nous on chante et toi tu fais quoi? Je dis, je suis étudiante, mais j'écris quand même souvent des tests et tout. Ils me disent, ah si tu écris des tests, tu peux chanter. Je dis, non, je ne sais pas chanter, j'interprète souvent des chansons des gens, mais je ne sais pas comment chanter. Ils m'ont donc dit, d'accord, on a un petit studio. Le jour qu'on va vouloir enregistrer, on va t'appeler, toi tu viens travailler avec nous. Alors, je suis allée, le premier jour, c'était pas mal, mais c'était pas bon du tout, voilà. Quand il dit c'est pas mal là, ça veut dire que c'était pas bon. Au fur et à mesure, j'ai appris un peu. Ensuite, il y avait Jay Bright, qui avait aussi son studio, on travaille. Après ça, je suis allée, je travaille avec Jay Bright. Et chez Jay Bright, je suis allée chez Monsieur Aubin Sanjo, on devait travailler ensemble, mais ça s'est pas fait. Et de là, j'ai rencontré J. Kratos qui travaillait avec lui. Et puis, il m'a amené chez Etienne Paris. C'est de là que j'ai travaillé mon premier album Naissance. Et ensuite, j'ai travaillé encore chez Kessie. On a travaillé la chanson Follow Me. Et voilà, la suite jusqu'à maintenant. Alors, la motivation, je pense que c'est juste la passion. J'aime bien tout ce qui est artistique. J'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'aime écrire. Donc, par exemple, faire des séries, écrire des scénarios. J'aime interpréter des rôles. En fait, j'aime l'art en général. C'est la passion. C'est la passion. Alors, comme réalisation, déjà la réalisation de mon premier album, c'est une réalisation pour moi. Ensuite, la réalisation du web série des Sagat Sagat. Et aussi les réalisations comme Cherisa Christmas Party. On a déjà fait deux éditions. Et cette année, on va encore faire une autre édition, dans la troisième édition. En plus aussi, au début, c'était juste pour Beza, qui faisait simplement ses petites musiques, ses petites web comédies et tout. Mais maintenant, pour Beza, c'est un établissement. Donc je pense que voilà, on évolue progressivement.
tomber. La création de mes œuvres, j'ai souvent deux méthodes de création. La première, souvent, c'est genre, je peux rester comme ça et puis une idée me vient dans la tête, je commence à mimer, j'enregistre avec mon téléphone et ensuite je vais au studio, je chante et puis le beatmaker essaye de suivre ce que j'ai chanté. Et puis il fait tout ce qu'il faut, tout le travail, et puis je pose la voix et on fait les arrangements qu'il faut et tout. Mais non, d'autres méthodes parfois c'est, je prends l'instrumental par exemple sur YouTube, j'écoute, j'essaye de composer à partir de l'instrumental. Et là après maintenant je vais au studio, je dis voilà, j'ai fait quelque chose comme ça, j'aimerais que tu écoutes et puis tu reprogrammes à ta manière mais que le fond reste. Voilà, d'habitude c'est ça. Alors, quelle émotion, voilà. Déjà, la musique, c'est la gaieté. La gaieté, déjà. Maintenant, à partir de la musique, on transmet d'autres messages. Messages beaucoup plus éducatifs qui, forcément, ne met plus quelqu'un dans la gaieté. Je prends l'exemple de la chanson de mon mari. Mon mari qui sensibilise certains parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants, on va dire les parents irresponsables. Je crois que celui qui écoute, qui a vécu cette situation, va se remémorer des souvenirs pas trop bons. Ça, c'est certain. Ou encore celui qui l'a fait, peut prendre conscience de ce qu'il a fait et essayer de modifier ça ou bien de régler ça autrement. Maintenant, Verre aussi, c'est une chanson qui sensibilise, qui dégage, je crois, un sentiment de honte pour quelqu'un qui pratique ça, qui a fait, qui peut poser ce genre d'acte-là. Donc, au final, je pense qu'à travers ma musique, je fais de la sensibilisation, de l'éducation et de régulation en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Tomber. Ouais. Alors, des défis, oui. Je crois que la deuxième édition de Cherisa Christmas Party est un défi pour moi parce que j'ai commencé à organiser dans un cadre beaucoup plus modeste, dans un cadre aux personnes moyennes. Mais la deuxième édition, j'ai fait un défi de sortir de là, d'aller dans un cadre vraiment luxueux, avec des conditions un peu plus difficiles. Et c'était un défi qui n'était pas perdu, donc c'est un défi dont je me suis donné et je l'ai gagné à moitié. Et à partir de là, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, les difficultés aussi, j'ai des difficultés. Je crois globalement dans l'intégration du milieu artistique global, puisque voilà, c'est pas forcément évident d'y entrer, et parce que voilà, il y a des conditions, il y a des trucs qui peut-être ne cadrent pas trop avec mes aspirations personnelles, et que voilà, j'arrive pas encore vraiment à m'adapter là. Je crois que ce sont des difficultés, que ce soit des personnes, que ce soit le système en général. Ce n'est pas évident. D'autres difficultés, c'est d'ordre beaucoup plus financier. Parce que voilà, quand tu commences une entreprise, ce n'est pas évident que ça décolle comme ça tout d'un coup. Mais moi, j'ai toujours pris des difficultés comme des moteurs, de l'essence.
Parce que c'est quand tu es confronté aux difficultés que tu essayes de trouver des solutions. C'est en essayant de trouver des solutions que tu te surpasses, tu fais plus mieux ce que tu avais l'habitude de faire. Donc, moi, je prends tout ça de manière positive, en fait. L'album déjà de naissance, à l'intérieur de l'album naissance, j'ai beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, mon mari, oui, ça me tient à cœur. C'est une histoire que quelque part je me sens concernée. Ensuite, il y a la chanson Pan. Pan qui en quelque sorte mon nom. Pan, c'est la haine. Et pour la petite histoire, dans mon village, les noms qu'on donne, qu'on attribue souvent aux enfants, c'est en fonction des circonstances qui se sont passées pendant que la mère est enceinte de l'enfant. Et je crois, mon nom Pangeko, ça veut dire la haine, c'est à quoi? Donc je peux imaginer quelles sont les difficultés dont ma mère a traversé durant cette période que j'étais dans son ventre avant de m'accoucher et que voilà, mon papa a décidé de donner ce nom, la NC à quoi. Donc, je pense que j'ai voulu chanter en quelque sorte pour faire comprendre aux gens que il faut arrêter de détester des personnes parfois sans les connaître ou encore détester quelqu'un pour rien, tout simplement. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Ok, alors comment j'entre sur scène? Ah, moi, quand je rentre dans ma tête, ce que je vois là, c'est exactement c'est que toujours quand je vais sur scène, ce que je fais, je prie avec mon équipe et j'y vais souvent, la plupart du temps, avec la peur dans mon ventre, sérieux. J'y vais, je me dis, ok, va défoncer, mais sauf que à l'intérieur de moi, si tu peux lire à l'intérieur de moi, tu vas voir que c'est mort, j'ai peur, voilà. Mais une fois sur scène, c'est comme si au fur et à mesure, je sors du sac, comme ça, je sors là, et puis bam, voilà. En gros, c'est ça, en sérieux. Ouais. Ouais. Il y a une image qui me revient dans la tête. Je me rappelle la première fois que je vais sur un grand podium, c'était à Camtel, Faux-Marie. Et il y avait plein de monde. J'avais tellement peur. J'ai pas souvent l'habitude de boire, je bois pas. Mais ce jour, j'avais tellement peur. J'ai dit à mon manager que j'ai trop peur. Il me dit, mais si tu as trop peur, bois un peu. Il m'a donné, il me rappelle plus quel billet il m'avait donné ce jour-là. J'ai pris une billet, comme ça, vite fait. Je suis montée. Ce jour-là, alors, après, j'avais pas peur. Mais je chantais de manière inconsciente, en fait. Donc, ces gens, c'était dans mon subconscient. Je me rappelais, je savais, je connaissais ma musique. Mais si après, je pouvais te dire que non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Non, je ne peux pas te dire. Maintenant, ce qui m'a peut-être marqué positivement, c'est une fois, j'étais à Bafoussam, une prestation, la chanson de Forêt va venir de sortir. Il y a un couple qui m'a invité à Bafoussam prester. Pendant que je chantais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient vers moi, qui dansaient avec moi, mais il y a une fille
qui est sortie comme ça de nulle part. Elle est assise, elle est venue. Elle est tombée dans mes bras. Donc, quand je l'ai embrassée, j'ai ressenti, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne vais jamais oublier, j'ai ressenti qu'elle m'aimait, en fait, genre qu'elle était là pour de vrai, en fait. C'est la chose qui m'a vraiment marquée. C'était juste ça. Elle est venue m'embrasser comme ça, je l'ai arrêtée, j'ai ressenti qu'elle adorait ce que je faisais ou bien elle m'aimait. Voilà. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer. Mais j'ai gardé ça. Et puis, ma grande soeur, elle, elle l'avait aussi remarqué. Parce que quand je reviens, ma soeur, elle me dit, il y a une fille qui est venue te prendre dans ses bras comme ça. Tu la connais? J'ai dit non. Mais elle, je l'ai ressentie comme si on se connaissait. Ouais. C'est trop cool. Tombé. Alors, quel conseil, avec tout ce que moi je vis jusqu'à présent, je ne vais pas être méchante, mais je vais commencer par dire, je vais commencer par le mauvais et ensuite je donne le bon. Je vais d'abord dire à celui qui veut faire la musique, tout artiste qui a envie de faire la musique, de lui dire, si tu ne peux pas être persévérant, si tu ne peux pas être courageux, si tu ne peux pas en gros, supporter. Laisse tomber. Sérieusement. Maintenant, si tu, au fond de toi, tu sais déjà que, ok, tu peux faire ça, donne-toi un objectif. Dis-toi qu'à chaque fois, je vais tomber, mais le plus important, c'est que je me relève. Dis-toi que il y a le bon dans le showbiz, il y a le mauvais, et que moi, je choisis le bon. Dis-toi que tu le fais d'abord par amour pour toi, avant toute autre personne. Dis-toi que tu te fais d'abord plaisir et avant de faire plaisir aux autres. Ça serait plus facile. Au cas contraire, laisse. Faut laisser. Tombé. Voilà. Déjà, ma musique, je l'ai commencé avec un style vraiment super varié. Et moi, je me rappelle que quand je vais chez Tien Paris, je ne sais pas quel type de musique déjà je voulais chanter. J'avais de la faux, j'avais R&B, j'avais du Bikutsi, j'avais tout. Et c'est lui qui a choisi, en fait, pour moi, le Bikutsi. C'est pas moi qui ai choisi. Donc maintenant, au fur et à mesure, j'essaye de m'adapter et j'essaye juste de compléter ce style-là qui m'a été donné en y augmentant mon afro que j'avais voulu moi au début. Pour le moment, je pense que la voix que j'avais en 2016, ce n'est plus la même voix que j'ai en 2023. Les techniques de chant que j'avais en 2016, ce n'est plus la même chose. Les prestations scéniques que j'avais en 2016, ce n'est plus la même chose. Donc, je pense que j'évolue progressivement et je vais encore en apprendre beaucoup. Ce que j'aurais en 2000, peut-être 25, ce n'est plus la même chose qu'en 2023. Donc, je pense que ça évolue progressivement et je suis vraiment contente de tous les efforts que je fournis tous les jours. Ouais, ça c'est trop. Ça me fait d'abord rire parce que je me rappelle souvent, ça c'était en bon, 2016, que j'étais pas, il me dit que chante même, non? Tu murmures. Ouais. Après, il y a aussi même le Dieu qui me demandait que, attends, tu chantes dans le box là ou bien tu es en train de parler? Ben oui, il y a beaucoup de trucs comme ça, ça c'est de début. Hein. Et c'est tout ça qui m'a permis à ce que, parce que je crois au début, je venais écrire mes textes au studio en fait. J'apprenais à chanter au studio, pourtant c'est pas ça. Maintenant, j'essaye de prendre mes chansons, je les travaille d'abord bien à la maison. C'est vrai que quand je vais venir, il y aura toujours des modifications, oui.
mais je les travaille bien à la maison. À tel point que quand je viens, il y a juste des petites modifications et que je m'adapte vite. Mais si c'était genre les périodes où je venais, il faut écrire ton couplet là, moi je devais déjà pas retenir facilement. Non, ça c'était difficile déjà pour moi. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure que les choses évoluent, le studio maintenant c'est plus divertissement pour moi parce que si quand tu viens, tu chantes bien. Même le beatmaker, il ne stresse pas, il ne te dérange pas. Il est content de ce que tu produis et l'ambiance est plutôt bonne. On fait des vidéos, on fait des danses et tout. C'est cool. Voilà. Sinon, maintenant c'est cool. Maintenant ça va. Ça progresse. Tomber. Ah bah, je suis motivée. Je suis toujours motivée, énergie, rester debout. Moi ça, je suis toujours motivée. En tout cas, pas, je suis pas encore fatiguée pour le moment. Je suis trop motivée, je suis toujours inspirée. Et parce que je pense que tout ce qui m'entoure, ce sont des thèmes musicaux. Donc on peut pas, je peux pas faire autrement en fait. Parce que comme j'ai dit, ma musique c'est pour sensibiliser. Et tant qu'il y a des choses qui se passent dans la société, je serai motivée, je serai inspirée à les mettre sous forme de chansons. Tomber. Alors, globalement, la musique, je pense que j'ai envie de conquérir le monde en fait avec ma musique. Ma musique fait valoir ma culture. Ma culture toujours parce que quand c'est ma musique, je fais la chanson. C'est vrai que je. Comment je vais dire ça? Le Bikutsi n'est pas forcément la musique de ma région. Ouais, parce que c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Les gens me demandent pourquoi est-ce que tu es de l'Ouest si tu fais du Bikutsi. C'est pas forcément de ma région, mais je l'ai adopté et je me sens plus bien là-dedans. Mais j'oublie pas l'aspect culturel de moi. Donc, j'essaie de chanter du Bikutsi, mais plutôt en bagam, en ma langue maternelle. Et j'y augmente un peu de la culture bamiléké là-dedans. Voilà. Et l'objectif, donc, c'est faire valoir ces deux cultures-là. De manière à ce qu'on ne sent plus la différence entre ces deux cultures. Tomber. It's pounding.